Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un petit tour de magie avec un jeu de cartes entier. Une vraie bombe, vous allez voir, c'est super simple à réaliser, mais l'impact est vraiment très impressionnant. Je suis sûr que vous allez adorer. Et comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaires. Et pour les autres, je vous laisse avec la démo juste pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisirait une carte librement. Alors vraiment, la carte de son choix, imaginons celle-ci. Ici, le 3 de pique. Bien entendu, la carte pourrait être signée pour la rendre unique, hein, et être sûr qu'il n'y ait pas deux cartes identiques dans le jeu. Et derrière, on va la perdre quelque part, vraiment, de la façon la plus honnête possible dans le milieu du jeu. Vraiment, hein, je peux même faire un ruban hein, pour montrer aux spécialistes qu'il n'y a rien de truqué là-dedans. Et derrière, regardez bien, pour retrouver la carte, on va tout simplement couper le jeu, on va dire trois fois, comme ceci, et utiliser une carte. Alors, peu importe la carte, mais elle va nous servir de carte de baguette magique, on va dire. Ici, regardez bien, c'est l'as de carreau, très jolie carte, et on va faire défiler cette carte sur le ruban. Et là, c'est le spectateur qui va choisir où je m'arrête. Alors vraiment, là, je vais le faire pour lui, mais normalement, c'est le spectateur qui décide. Hein. Donc, je commence comme ceci, j'avance, et quand le spectateur me dit stop, je m'arrête. Imaginons qu'il me dit stop ici. Là, je peux lui poser la question, on s'arrête ici ou on continue? Imaginons qu'il dise, allez, on continue, on avance, et vraiment où il veut, paf, stop ici, imaginons. Donc vraiment, le choix, c'est vraiment sur la carte du spectateur. Bien entendu, on peut lui montrer qu'il aurait pu s'arrêter sur n'importe quelle autre carte juste avant. Et pourtant, sa carte n'apparaît pas, c'est déjà une bonne chose. Hein. Lui, il a décidé de s'arrêter sur cette carte. Il aurait pu vraiment s'arrêter sur n'importe quelle carte qui suit. Mais il a décidé de s'arrêter sur cette carte. Et cette carte, croyez-le ou non, c'est la carte choisie, la carte signée. Bien entendu, le jeu peut être laissé à l'examen. Il n'y a absolument rien à voir. Et moi, j'appelle ça vraiment un miracle. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Et peut-être que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ce tour. Vraiment, ça vaut le détour. Un tour vraiment très facile à faire, vraiment avec un super impact sur le spectateur. Vous allez vous régaler à le réaliser. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description, dans la section commentaires. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et également, mon école de magie 100% gratuite, www.magistreaming.fr. La seule école de magie 100% gratuite en ligne, où vous allez pouvoir apprendre les bases de la magie des cartes, en passant par les techniques jusqu'au tour de magie, et également en magie des pièces. Et pour ceux qui souhaiteraient me soutenir, vous avez également sur le site la partie VOD streaming, avec l'onglet magie streaming, dans lequel vous retrouverez des DVD, des vidéos de tours plus élaborés, en passant par la construction de gimmicks, et bien plus encore. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.